Ici Jacques Landelizer, nous live depuis Manhattan. Nous dans Queen Central, qui dans le Manhattan. Et c'est toujours dans le cadre 78e Assemblée Générale de la Nations Unies. Nous avons Gentil Augustin Junior. Comme Jacqueline, et c'est un plaisir pour nous à Mounio. Nous dans Jondia, dans le Manhattan. C'est là, dans Queen Central, là, c'est là à côté. Tout train est passé qui a desservi la population New York, Manhattan, New Jersey, tout côté absorti pour venir là. Mais nous toujours dans le cadre 78e Assemblée Générale là. Même les lois de la nuit, mais nous même nous pas dormi dans le parce que nous toujours travaillons. Définitivement, définitivement. Et donc nous connaissons que qu'on y a attention anti-jean baissé en termes de sécurité, en termes d'activité dans la 78e Assemblée Générale Nations Unies. C'est tout simplement son rituel qui respecte la tradition aussi. Parce que tout est président, yo, fin passé qu'on a ses premier ministre, qui a passé chef de gouvernement. C'est comme ça, hier, gentil, il y a premier ministre Ariel Henry qui prend la parole. Oui, premier ministre a pris la parole, même là, c'était en janta, par rapport avec l'autre gros président qui était passé, yo. Mais premier ministre a pris la parole, il était parler sous tribune, c'était la première fois que dans l'Assemblée générale qu'il prend la parole. Il était dressé que tout problème que Haïti gagne, il était un problème canal là, il parlait des problèmes de sécurité qui gagne. Peut-être Jacqueline ou même pas souhaiter suivre ça plus facile ou capable plus développer sur ça. Bon, président, comment c'est? Bonjour Chavez, président. Nous, c'est pas parce qu'il n'y a pas un président, ça fait quelques temps. Et notre tribune nationale a introduit. Premier ministre Ariel Henry, bouche et dans le chapelle, il dit président, après il dit excusez. Après, il présente comme ministre de communication, que ce n'est pas ça. Et donc, il y a une petite confusion à ce niveau. Donc, premier ministre Ariel Henry prend la parole. Elle commençait avec les problèmes du monde, avec Wall et Nations Unies, pour finalement tomber sur le problème haïtien. Dans le problème haïtien, il dit que, et il fait promesse encore que, eh bien, là, pour mener un processus électoral, là bien pour négocier avec les partis politiques, avec la société civile, pour être capable de déboucher sur une entente. Et finalement, il était abordé la question du canal. Elle dit que le pays d'Haïti n'est pas en guerre avec personne. Et il croit qu'il n'y a pas de réveil les vieux démons. Ça veut dire que il croit que le conflit qu'on a joué aujourd'hui est capable de faire songer ce qui est passé dans le passé. Et qu'on y a le capable de déboucher sur l'autre blessure encore que des blessures inutiles. C'est ça qui fait que il dit que Haïti, tant que la République dominicaine doit utiliser le canal là pour bien. Et il était ferme sous question ça, elle te recevoir tout, fond dit tout, qu'elle te recevoir applaudissement. Il était tout profité, tout remercier Kenya qui vient pour prendre tête et force. Multinational là. Robuste. On robuste, toujours oui. Dit robuste là parce que c'est parole Antonio Guterres qui toujours dit son force multinationale robuste. Mais pas du tout que Madame Maria Isabel et Salvador, il dit que c'est une mission sécurité pour Haïti. C'est pour ça qu'il dit qu'on y a que il utilise Jaguar. C'est une mission sécurité pour Haïti. Il dit que pour lui, question force là anti-jeune Peugeot trop du tout mais dit que c'est le plus facile pour dire mais yo et adopté. Donc premier ministre Ariel Henry fond dit tout en passant qui était rencontré avec le président Kenya monsieur William Ruto et surtout dans la cérémonie qui était gagné pour pas rétablissement mais pour établir relations diplomatiques entre deux pays Haïti avec Kenya. Eh bien, il te dit que force ça te doué là depuis yon l'année. Et c'est comme ça tout que l'aborde question. Elle aborde toute situation pays d'Haïti avec question gang yon capturé, cap violé, cap pillé, et qui change figure pays. Elle demande tout que c'est un gros problème que Haïti a confronté aujourd'hui. Mais je dis tout que question sécurité n'a pas aidé Haïti, mais tout, question sécurité a été très présent dans la 78e Assemblée Générale. Mais nous avons signalé tout que y a une manifestation avant que le Premier ministre Ariel Henry te prenne la parole. Définitivement, Jacqueline, c'est son tradition liée pour l'Assemblée Générale, toujours gagner une manifestation. Parce que pas oublier, gagner un pile monde qui vivent dehors des pays. Yo. Mais pendant yo a vivant dehors des pays, yo, ça qui passe dans le pays, yo toujours concerné yo, en tant que monde, en tant que peuple pays. Ça. Eh bien,
nous te croisé pour iranien yo gen chinois yo à chaque fois yon chef d'état a vini dans Nations Unies à chaque fois un chef d'état a vini dans yon assemblée générale public a toujours là qui sorti dans pays yo konn gen de kan konn gen pour konn gen contre qui vinn exprimer yo et ben avant Ariel Henry lui-même il te prend la parole hier après-midi te gen un groupe qui était déjà sous place. On dit en face, bon place qui en face Nations Unies, c'est là toujours réuni. Yon façon pour soit qui est content ou bien soit qui content. N'a pourrait gagner yo avec Mayo, ancien président Jovenel Moïse qui mouri, qui t'est venu profiter tout, mander justice pour président et exprimer tout par rapport avec ça qui a passé à Haïti, par rapport avec canal là qui a construit yo comment on dit, yo démé plaît par rapport avec Jean président dominicain lui-même li aborder question canal là. Le n'a regardé par rapport avec ça président dominicain te dit avant l'elle était dans université Columbia, il était je te dit que il était qui t'a parlé avec un gouvernement oui. Premier ministre te dit que c'est un bagage secteur privé qui a construit comme si l'état pas mêlé là-dedans. Mais si n'a regardé dans déclaration président premier ministre nous ka wè que li d'accord pour yo cohabiter sous rivière ça parce que depuis le cas de servi nous tous les deux c'est une rivière qui sous iléa et me penser dans même pas fort dans loi internationale yo dans loi internationale yo dit que depuis qu'on bagaille qui séparé qui limitrophe entre deux pays yo tout de gen même droit sous li pas une question de gen 90% ou gen 10% ou bien gen 100% c'est nous tous les deux qui utiliser li et nous le président même Jean un président Abinadel rejoint et président premier ministre côté que il te dit li pas pral non conflit avec Haïti parce que quel que soit Jean ça y est nous a fait pour nous vivre ensemble parce que nous sommes frontières nous on a toujours besoin de l'autre. Peut-être qu'il y a une composition de force, je dis, à la République dominicaine, mais Haïti a toujours besoin de la République dominicaine, la République dominicaine a toujours besoin d'Haïti pour toujours fonctionner. Et bien, dans la manifestation, nous avons soulevé le problème du pays. Quand il y a des gens qui viennent là, c'est parce que Jacqueline, il a aimé le pays, il a aimé Haïti, il a aimé la famille, il a aimé la famille Haïti, mais le problème en Haïti, tellement pile, Jean-Premier ministre dit, le problème gang, a violé, a tué, donc nous avons peur, nous n'avons pas prendre risque ça. Mais je dis, comme yo devant Nations Unies, côté yo connaît, en pile chef d'État à plat, discussion yo en pile, avait dit tout ça yo capoté, pendant, même les yo connaît, yo pas qu'à entrer et aller, j'aime te dire, yo pas qu'à entrer dans la tribune pour y aller porter l'aller, mais en fois en face là, les yo dit, peut-être pas on l'a passé dans les journalistes yo, journalistes même a porté dans les médias yo, et ça capable briver dans les oreilles, dirigeants par yo, qui capable porter le devant Nations Unies. On dit que les amis, les téléspectateurs VOA Creole, ils sont capables de joindre. Ils sont capables de joindre toute manifestation, tout ça qu'on a dit là, ils sont capables de joindre sur page, sur toute plateforme VOA Creole. On dit tout que y a une position, madame et Maria Isabelle Salvador, qui est représentante et secrétaire général des Nations Unies en Haïti, qui est chef BINU, bureau intégré des Nations Unies en Haïti, qui lui-même dit lui croit que. Le problème, ça, il y a eu qu'à résoudre entre eux-mêmes. Et c'est ça tout que Edwin Parison croit, que il y a eu qu'à résoudre. Dès que je te dis, est-ce que le parcours est trop tard? Il dit le parcours est trop tard, il y a eu qu'à résoudre entre eux. Mais nous voyons que le problème, non, arrivait déjà dans le niveau international. Et le Premier ministre Ariel Henry fait référence à deux textes de loi, ou bien deux documents, c'est 1929 avec 2021. Donc tout ça, il est capable d'utiliser pour être capable vraiment. Eh bien, résoudre le problème. Et puis, il faut me dire tout que la question Haïti a été très présente dans la 18e Assemblée générale des Nations Unies. Depuis qu'on a commencé sous le président américain Joe Biden, qui lui-même remercie Kenya et qui dit que le peuple haïtien n'a pas qu'à attendre, vu la situation, vu l'insécurité qui est dans le pays, il faut ça aller très vite. Nous avons tout, l'autre monde qui te prend la parole sur la question, c'est. Et M. William Ruto, qui est président Kenya, Luis Abinadel, enchaîné tout, et puis très naturellement, Premier ministre Ariel. T'es même secrétaire d'État à tout, Antonio Guterres, qui te dit quelques paroles, il te dit Haïti déjà son pays qui souffre de l'esclavage, et je dis encore, c'est gang qui a attaqué. Comme c'est un monde qui a goumé pour force multilatérale, comme si robuste ça, que.
il t'a parlé tout de situation haïtienne dans la tribune. Nous avons réalisé plusieurs interviews, et notamment et Brian Sinkhol, qui est sous-secrétaire d'État dans le département d'État américain. Et puis, et Valerio Selu, collègue de nous, qui t'a rencontré avec Barbara et Feinstein, qui est numéro 2 dans le département d'État américain. Et nous avons tout parlé avec Maria Isabel Salvador, tant que nous disons qu'il est représentant secrétaire général des Nations Unies, pour nous comprendre plus bien la position de la communauté internationale sur la situation. Mais il faut dire tout que il y a l'autre président qui prend la parole, qui est très significatif. Il y a, par exemple, Volodymyr Zelensky, qui est président ukrainien, qui lui-même devine avec cause pays Ukraine. Il t'a expliqué que qui genre que eh bien, la Russie envahit. Et non seulement il prend la parole dans la tribune des Nations Unies, mais il prend la parole tout dans le Conseil de sécurité. Et là, dans le Conseil de sécurité, il demande pour le fonctionnement du Conseil de sécurité. Parce que le Conseil de sécurité, il doit imaginer que les gens qui sont agresseurs ont le droit de veto. Il dit non seulement, et il y a plus d'autres personnes qui, il y a d'autres pile leaders qui optent tout pour l'agir et Conseil de sécurité. Donc, il faut dire tout que gentil. En pile bagaille qui a passé devant le tribunal, mais il y a l'autre bagaille qui passe tout en dehors. C'est ça, on va dire en pile réunion, en pile oui. Rencontre, c'est en façon. Que, parce que les bagailles, il n'y a pas parlé devant le tribunal. C'est bagaille qui nous capable. Nous sommes capables, c'est un bagaille qui fait à huis clos. Même les après ça, il y a un rapport qui va le faire sur chaque rencontre. Ça, le premier ministre a rencontré le monde. Et le secrétaire d'État a rencontré le monde. C'est une façon pour discuter, Jacqueline. Parce que toute bagaille n'est pas faite à vivre. Il y a des bagailles qui étaient des secrets d'État, nous capables de briller comme ça, mais qui pourraient sortir après, qui pourraient le bon résumé de comment ça arrive. Parce que ce n'est pas seulement défiler devant la tribune. Il y a plusieurs activités, mais les journalistes vraiment pas gain accès à eux. Vous comprenez? Oui. Il y a d'autres bagailles que nous avons signalé. Par exemple, 2020-2030, c'est ça, ODD, ce qui est Objectif Développement Durable. Il y a un secrétaire général des Nations Unies qui prend la parole, qui dit que c'est 15% seulement dans l'objectif ça qui est sous bon. L'autre n'est pas sous bon. C'est ça qu'elle lance. Il y a un appel pressant. Il y a un appel pressant dans tout le pays pour être capable de prendre des décisions, pour être capable de vraiment atteindre l'objectif là. Et il y a un peu de monde qui te prend la parole sur l'objectif développement durable là parce que d'ici 2030, il faut être capable de joindre sans solution pour tout le monde. Et sécurité tout élément de base. Combattre toute bagaille les sous pandémie yo k'ap vini parce que grand pile bagaille qui a annoncé grand pile pandémie qui sous là parce que c'est grand objectif 78e ça c'est finir avec affaire la fin hein, nous capable dire c'est mettre fin avec comme si gain plus moyen comme si gain plus bagaille qui disponible en termes de santé pour moun yo croapé pandémie et puis parce que si je change première phrase qui dans objectif principal là c'est restaurer confiance. Ça veut dire restaurer confiance c'est essayer de mettre tout le monde ensemble pour nous capables aller vers l'avant parce que objectif là c'est 2030 lié 2030 pour ouais est-ce que même les tout pays pas sous même longueur d'onde mais au moins une approche l'autre dans ça qui a un rapport avec manger santé, sécurité, nous voyons ça qui a passé en Afrique, nous voyons ça qui a passé à Haïti. Donc, si yo chita vraiment vrai, comme yo déjà dit, c'est 15% seulement qui déjà résout, nous voyons pile travail qui vous faites toujours dans ça. Donc, on dit que 78e assemblée ça, il déroule dans un contexte spécial avec un paquet de coups d'état militaire qui a fait en Afrique yo, et de 2008. Coup d'état militaire qui fait dans l'Afrique de l'Ouest avec l'Afrique centrale. Tout ça, c'est un autre problème encore qui est sous les Nations Unies et pour que le gain pour résoudre. Mais pour l'autre point encore, que nous avons signalé peut-être dans le reportage, c'est l'absence qui gagne. Il y a plusieurs absences. Notamment, il y a le Premier ministre britannique là, qui parle là. Il y a le président français Emmanuel Macron qui parle là, bien que l'explique que. Il y a deux gros rendez-vous, effectivement, le 20, il était rencontré avec le monarque britannique, là, Charles III, et le tout dans le 22, il était rencontré avec le pape François. Donc tout ça fait que le calendrier diplomatique.
diplomatique qui était chargé. Mais c'était pas qui était déjà planifié déjà pour lui. C'était oui. Problème qui était gagné en France qui était fait que il va faire un bas c'était un programme pour le faire bas ça. Donc dès que quelqu'un monde qui dit quoi à cœur bon, et c'est un gros carrefour, un gros rendez-vous international et traditionnel qui arrive chaque année. L'autre monde qui parle là, bon, il dit que c'est des monde qui en général pas là. C'est président et Rousseau, Vladimir Poutine, Kim Jong-un qui parle à tout, leader nord-coréen, et puis tu as tout Xi Jinping, qui est le président chinois, il n'y a pas de là, mais bon, il faut dire que tu es remplacé. Par exemple, pour la Russie, c'était Sergei Lavrov, qui est ministre des Affaires étrangères, là, qui était là, premier ministre et français qui était là. Donc, mais en général, dans le gros oumble, ça, il voulait que c'est numéro un qui est toujours là, mais et grand pile monde qui par interprétation sous absence gros autobrisa ministre indien pat là tout oui ministre indien et maudit pat là et premier ministre indien pat là tout donc c'est autant de monde qui pat là mais n'a pas est-ce que bah ça au conseil des monde nous qui pas présent dans l'assemblée générale là Jacqueline est-ce que BRICS là il pas pour beaucoup là dedans malgré nous Brésil t'es présent parce que Brésil c'est une branche dans BRICS là oui Brésil est présent, mais bien que mon capitaliste dit que même dans BRICS, il y a un petit problème toujours. Mais tant qu'on dit que c'est une alternative que, par rapport à dollar américain et hégémonie américaine, nous quittons ça pour spécialistes. Mais nous voyons que les gens qui prennent la parole, parmi eux, il y a un président Lula, Luiz Inácio da Silva alias Lula, président brésilien, il y a une tradition. Après, le secrétaire général là-bas, il y a un coup d'envoi, c'est. Président brésilien qui parlait, et puis après ça, immédiatement après, il y a le président américain Joe Biden, qui lui-même, c'est le pays qui a organisé. Recevoir et 78. Et c'est là que les Nations Unies en chita. Même les Londres, en d'espace, ça, ils disent que ou pas États-Unis, parce que c'est son réunion de tout pays dans le monde. Là. Les Nations Unies comptaient 193 membres. Donc c'est 193 pays là, on va pas définir pour dire ça c'est États-Unis ou bien ça c'est Haïti ou bien ça c'est la Chine, c'est 193 pays mais quel que soit Jean lié, li là en dans États-Unis ou pas qu'à passer président États-Unis pas qu'à passer inaperçu et c'est une monde les l'a débarqué à faire sécurité à ses têtes chargées, hélicoptère en l'air, bateau tout près en mer parce que côté base Nations Unies, il y a même nous gagnons mais sur côté nous et puis nous gagnons route là devant donc c'était chargé nous si nous avons suivi nous avons un reportage qui a été fait sur les affaires sécurité pendant Nations Unies. Malheureusement avant fin j'aime bien dire monsieur Taléa et Jacqueline l'hypoco fini assemblée générale la poco fini c'est jusqu'à 26 mais nous mêmes VOA créole nous a quitté ça n'a pas entré dans base nous Washington mais ça va veut dire qu'il n'a pas suspendu travail sur 78e assemblée générale ça n'a toujours été branché pour nous capoter information pour nous. Donc on nous parle nous passer nos bagages qui ont si genre puis amical on dit que c'est ton équipe VOA Creole qui t'est déplacé gain Fred Kaimit qui c'est technicien nous là red nous t'ai gain Valerio Saint-Louis lui-même qui basé dans New York même nous t'ai gain avec nous Gary Altidor qui était lui-même basé New York même. Moi-même avec Gentil, Jacqueline Belize et Gentil Augustin Junior, nous-mêmes c'était nous qui t'es envoyé spécial là, nous t'es même nous t'es déplacé. On dit tout que y a l'autre confrère tout dans l'autre service, notamment y a Jean-Michel Mathurin lui-même, qui sont directeurs dans l'autre service là, et la Voix de l'Amérique. Nous t'es gain Nelson qui est dans le service Spanish Show. Donc, nous avons Espedou qui était dans le graphique là avec Fred. Oui, et puis tout, nous pas oublier équipe Washington, Jean-Aubert Philippe, qui part là avec nous, mais qui t'a fait deuxième partie émission rendez-vous dans le studio Washington. Sergio Rodriguez qui est toujours là. Et sans pas oublier Benson Totou, qui s'est produit pour nous dans le studio. Et puis tout avec un pilote monde encore. Et puis tout nous pas l'infatigable. L'infatigable chef service nous Sandra Lemaire ça c'est nous pas veiller nous on prend quelque soit derrière le Galil mais les pour féliciter tout là tout les féliciter le travail là bien fait parce que bah, c'est équipe là qui pour c'est synergie entre équipe ça qui a porté résultat positif pour faire pour nous avait dit nous ensemble nous bien mixage là bien fait donc pratiquement, nous allons quitter New York demain matin. Nous sommes en Manhattan là, nous trois. Nous regrettons que Valérie n'est pas avec nous.
Gary Altidor pas avec nous, mais c'est nous trois qui là. Et Gentil Augustin Junior, et Fred Kaimit et moi-même Jacqueline Belizère. C'est là que nous allons mettre fin. Nous dit auditeurs, nous, téléspectateurs, nous, merci un peu. Nous avons fait plusieurs troisième mi-temps et nous sommes présents en foule pour nous venir suivre. Même gens qui sont en foule là, merci d'être que nous avons toujours été fidèles à VOA Créole et nous promettons nous, que nous avons toujours, tout côté de l'événement, nous avons fait le maximum pour nous capables là. Tout côté événement là est gentil. Nous toujours dit tout le monde ça. VOA Créole, c'est Géo, c'est Oreille et c'est Voyo. Quel que soit côté, j'en dis à événement, VOA Créole, pral chercher, li pral poter le banou. Parce que fok public là, li connaît ça qui a passé dans le monde là. Et fok public là, li bien informé, peut-être l'air parler, pour qu'à aller dans la direction qui droite là. Pour dire là, nous t'es sous VOA Créole, dis nous. Mais ça a passé dans le monde là. Donc nous pas qu'à négliger. Et peut-être en dit, même là nous pas présents physiquement dans le reste 78e là, mais toute information y a venu joindre la caillou sur page Facebook VOA Créole là, sur page Instagram VOA Créole là, sur YouTube VOA Créole là, continuez suivre VOA Créole parce que information y a venu joindre nous. Et Fonsi, allez tout que tu as des confrères qui nous te voient dans les Nations Unies et bon Fernando estime ce passe de présentation. Nous t'es ouais, Gary Pierre-Paul Charles, Yves Manuel t'es là, nous t'es gain Sénat, de Nouvelis. Bon, l'autre confrère Augustin, pas changé qui, à qui est lié, mais il était ensemble avec Sénat, jour matin, t'es croisé avec là. Donc, information, il n'y a pas arrêté seulement dans mes VOA, il y a l'autre confrère qui vient tout. Malgré un pile là-dedans, c'est écrit ou écrit, mais nous-mêmes, comme nous avons porté image, ça fait mon yo, même yo, toujours, gain un goût pour venir chita, pour regarder, parce que, Gon va qu'on y a multimédia livrement porté les moun nan konnen la jwenn texte la jwenn image la jwenn photo la jwenn vidéo Jacqueline Elgin gros Jacqueline Ravel kap ba l'information c'est tête chargé Thio Augustin moun yo rele dread là m'va le couper dread là pour public là parce que moun yo pa kap le rele dread là faut habitué à nous Valérie c'est lui malheureusement qui pas là nous capable dire nous même nous sorti parce que nous déjà sur place New York gen l'appli qui a tombé. T'es un bon l'appli qui t'a tombé. Nous pas capable. Voilà, l'appli nous pas capable. Nous dit quête, faut nous faire une petite présentation ça. Je pense que gentil l'arrivé pour aller parce que faut que nous quitter, tout ça commencé, gagne fin et tout bon bagaille qui commence malgré ça va porter problème, mais l'obligé fini quand même Jacqueline. C'était un plaisir pour nous être avec nous. VOA Créole toujours avec nous. Jacques Lemap qui tout bail dernier mois et puis tout pour nous fermer. Eh bien, dans tout VOA Créole, dans tout service, nous disons merci pour attention, nous merci pour fidélité nous. Et dans nos services Créole, dans nos Sandra Le Maire qui est chef service là, nous disons merci d'être que nous toujours à faire route là avec VOA Créole et faire bon choix d'être qu'on fait route là avec nous et nous promettons que nous avons fait tout ça nous capable pour nous satisfaire parce que l'objectif nous, c'est informer, c'est former et c'est bonne satisfaction. Bonsoir, bonsoir. C'est ton plaisir. Bye-bye.